par les Framborins. Guirassy qui peut chercher son partenaire là-bas, sur la gauche. Guirassy qui retrouve le cuir dans la surface, le centre, et cette fois le but sera accordé, c'est certain. Pas de raison de l'annuler comme il y a quelques minutes à peine. Décidément, le début en fanfare, c'est bien réalisé. Sortir la tête de l'eau, pourquoi pas, la frappe, elle est tout de suite contrée. Et Massolin, à grandes enjambées, qui va pouvoir remonter ce terrain. La passe est pas mal du tout dans le dos. Il n'y a pas de hors-jeu, a priori, pour Corentin Lavie. Et l'arrêt décisif, mais la tête le suivit. Et ses buts, ça finit par rentrer. Et bien voilà, le spectacle et la fête est déjà lancé ici au Stade Roi-Baudouin. Et ça ressemble à une catastrophe pour les Anderlechtois. 0-2 pour les Framborins en l'espace de 7 petites minutes. Et le but est signé Nicolas Dailly. C'est son deuxième d'affilée. Dans la grisaille bruxelloise, on est reparti avec Van den Driesch qui va trouver Guirassy élégamment. Et attention ici à Coco Lavie, la frappe de Corentin, et ça rentre sur cette erreur énorme de Timon Van Hout. Oh, la catastrophe pour les Anderlechtois et la joie, bien sûr, pour les Verts. Corentin Lavie, l'homme en forme, qui confirme une nouvelle fois son excellente saison. C'est très bonne prise de décision dans les derniers mètres aussi. C'est vrai qu'il a plu un peu plus tôt dans la journée. Le centre et la tête et le but. Et bien voilà, on n'a pas dû attendre longtemps pour l'avoir. Cette réalisation signée Keisuke Goto et qui justifie le choix de son entraîneur de le faire monter au jeu. Récupéré par les Anderlechtois, ça peut aller vite. Bouchouari, on lui connaît sa vitesse, on lui connaît aussi sa frappe. De temps en temps, le but, et ça rentre. Magnifique cette frappe du gauche qui vient toucher le montant et qui finit dans les cages d'Adrien Saucé. Et qui... Imaginez une seconde le sentiment des Framborins s'ils venaient à encaisser ce but. Là maintenant, et bien le voilà, le but justement qui tombe de 0-3 à 3 partout. Ça ne s'invente pas. Ce sont les miracles réalisés par les RSCA Futures, une équipe qui n'abandonne jamais, menée par Amando Lapage, son capitaine. Et celui-là, il va s'en souvenir. Quel coup franc, vraiment splendide. Le contre-pied parfait. Parce que la victoire leur tendait les bras. Et Colassin qui obtient le pénalty. Décidément, c'est la catastrophe pour les Framborins. En l'espace d'une mi-temps. Et le pénalty, il est clair, hein. C'est très très bien joué d'Antoine Colassin. Saison des Futures, comme pour celle des Framborins, la concentration du japonais Keisuke Goto. Et l'arrêt d'Adrien Saucé. Et bien voilà, on l'avait dit que cette balle n'était pas encore rentrée au fond. Une faute à moitié pardonnée donc, si pas totalement, parce que cet arrêt est décisif dans la saison des Framborins. Dans cette mission sauvetage pour maintenir le club en Challenger Pro League. C'est donné, ça va dans la boîte. Et ce sera la fin du match sur ce score donc de 3 buts partout. Quel match, vraiment!